Mais ce n'est pas la dernière, il y aura d'autres occasions. Nous pouvons donc parler, dire à ces voyageurs, à ces activistes qui peuvent continuer ces initiatives et continuer à éveiller les Français. Vous pouvez les applaudir. C'est grâce aux initiatives que nous portons et à d'autres, puisque il y a encore quelques semaines, on pouvait remarquer que beaucoup de personnes étaient en quelque sorte endormies. Aujourd'hui, ils ouvrent les yeux, ils sortent de leur hibernation au moment du printemps, et c'est extrêmement bien. Et à propos de s'éveiller, d'hibernation, etc., il y a une marmotte, vous le connaissez, qui fait la sieste toutes les semaines, juste en face. Nous allons faire notre cri rassemblement, notre cri de guerre en quelque sorte. Nous allons lui dire que son entreprise de terrorisation des esprits
et d'endormissement de la population ne fonctionneront pas, ne fonctionnera pas. Nous sommes absolument sereins et nous espérons dans l'avenir. Nous pouvons donc lui dire: on va gagner, 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 on va gagner. Ils utilisent toujours les mêmes moyens de pression médiatique, de pression économique pour terroriser les uns et les autres. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes tous sereins, nous pouvons donc également lui dire: on n'a pas peur, 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 on n'a pas peur. Est-ce que vous êtes content d'être ici aujourd'hui? Ouais. Est-ce que vous vous sentez libre d'être réunis aujourd'hui? Ouais. Nous accueillons aujourd'hui un combattant de la liberté qui était là dès les premières manifestations contre la coronafolie, ici même, place Pierre-Laroque à Paris. Il est économiste, il a travaillé sur les sujets énergétiques et des sujets écologiques, qui sont les sujets de fond. Il s'agit, je vous prie d'applaudir extrêmement chaleureusement, de Philippe Murer. Merci à tous, chers amis, chers compatriotes, chers combattants de la liberté. Bravo. Vous avez vu, comme moi, qu'ils attaquent tout azimut sur le vaccin. Là, ils n'arrêtent pas. Alors, il y a la version de Richard Tyran, en fait, il y a la version chantage de Véran. Les personnes âgées dans les EHPAD ne pourront pas sortir tant qu'elles ne sont pas vaccinées. En fait, les personnes âgées sont séquestrées par M. Véran. Les soignants, d'après ce que j'ai lu ce matin sur le Figaro, ont été que 30% à se faire vacciner. Alors qu'il y a du vaccin partout dans les hôpitaux. Pour quelle raison? On n'en sait rien, mais peut-être qu'ils trouvent ça dangereux. Alors Macron leur a dit: on va vous forcer, on réfléchit à vous forcer à vous vacciner. Et puis, il y a la version tyranno de Macron qui dit: ah, ben, il va y avoir un passeport sanitaire intérieur. C'est-à-dire qu'il va y avoir les mauvais citoyens, ceux qui refusent la picousse, et les bons citoyens, ceux qui vont se faire piquer docilement. Et eux, ils ont le droit à une vie sociale, au restaurant, aux salles de sport, à voir leurs amis, aux salles de spectacle. Par contre, ceux qui ne seront pas vaccinés n'auront pas le droit. C'est vraiment une honte. Alors pourquoi toutes ces menaces concernant le vaccin? Parce que nos petits tyrannos, en fait, en 2 mois et demi de vaccin, ils n'ont même pas réussi à vacciner les gens. Il faut savoir ce qu'ils veulent. En 2 mois et demi, il y a 5% des Français vaccinés. 3 millions de personnes. Donc à ce rythme-là, ça fait 20 fois 2,5, il leur faudra 4 ans et 2 mois pour vacciner tout le monde. Alors, monsieur Véran, je vous demande, vous voulez attendre 4 ans? Vous voulez enfermer 4 ans pour vacciner tout le monde? Vous nous prenez pour des débiles? Alors, peut-être qu'ils vont faire un peu mieux prochainement, mais ça veut dire 8 mois d'enfermement supplémentaire, de destruction du lien social. On est toujours des cobayes. Et on est des cobayes en plus. De toute manière, ils n'auront pas la majorité de vaccination. Ils n'y arriveront pas. Les Français sont des Gaulois réfractaires. On n'en veut plus de vaccins. Le vaccin, il ne marche pas sur le variant. C'est les scientifiques qui le disent. Alors qu'est-ce que vous avez dans la tête, monsieur Véran? Un vaccin qui ne marche pas, ça sert à quoi? Ne marche pas, oui. C'est pour les boomers. Les boomers, on descend, on est sous des fraises. Alors, par
partout en Israël des laboratoires du Covid, de la vaccination du Covid. En fait, il faut savoir que eux au moins, ils ont réussi à vacciner, à faire leur stratégie, vacciner les gens. 50% des gens sont vaccinés. 80 en Israël. 90% des plus de 60 ans sont vaccinés. C'est leur problème. Donc on peut dire qu'ils ont réussi leur coup. Qu'est-ce qu'on se peut voir? Est-ce que l'épidémie régresse? Eh bien non. Pas plus qu'au Liban, pas moins, pas plus qu'en Palestine, pas moins. Et surtout, il y a autant de morts depuis le début de la vaccination, c'est-à-dire 2 mois et demi, qu'il y a eu de morts en Israël en 9 mois de Covid. Oh là là! Aucune conclusion. Amateur. Mais par contre, ça pose clairement des questions. Alors pourquoi Alexandra Henrion-Claude, qui est une grande héroïne scientifique, spécialiste de l'ARN messager, elle dit... En fait, ça fait comme les vaccins pour le SRAS qui ont été refusés, c'est-à-dire qu'apparemment ces vaccins sont potentiellement des portes d'entrée au virus dans notre système immunitaire. Il faut un peu d'humilité, monsieur Véran. Le corps humain, le système immunitaire, c'est extrêmement complexe et on ne maîtrise pas tout. On ne trouve pas tout. Le président Netanyahou vient d'expliquer qu'il pense qu'il va falloir faire une picouse aux Israéliens tous les 6 mois. Voilà. En fait, ça ne sera jamais terminé. En Israël, toujours, les autorités ont mis en place le rêve de Macron, un passeport intérieur vaccinal. Et donc, il y a bien 2 catégories de citoyens aujourd'hui en Israël. Les bons citoyens qui sont vaccinés, qui ont le droit d'aller dans les salles de sport, à l'intérieur des restaurants, dans les salles de spectacle, et les mauvais citoyens. C'est quand même extraordinaire. C'est les Israéliens eux-mêmes qui reviennent à un principe de discrimination. Et ils savent leur histoire, les Israéliens. À quoi ils sont là ? Et bien, si vous posez une question, que feront ceux qui ont une maladie auto-immune, qui ont des blessures, pardon, qui ont un risque de maladie auto-immune? Je pense à ma compagne, qui elle sait qu'il y a des ascendants, des parents, des grands-parents qui ont développé des maladies auto-immunes. Et pour eux, les médecins eux-mêmes vous le disent, le vaccin n'est pas bon. Donc leur choix, ça va être quoi? Ça va être la mort sociale s'ils refusent le vaccin ou le risque de prendre une maladie qui va détruire leur vie, une maladie auto-immune qui peut être déclenchée par le vaccin. Ce n'est pas acceptable, ce sont des monstres. Si encore c'était le vaccin inactivé chinois, nous sommes des êtres raisonnables envers nous-mêmes et envers les autres. Pourquoi pas, ça pourrait être possible, tout le monde vacciné, etc. Mais là, c'est pas possible puisque le vaccin chinois n'est pas disponible pour nous. Il le refuse et ça mettrait encore un an. On n'a pas le temps. Alors, il y a des villes, vous avez raison madame, pour nous en sortir, il n'y a qu'une solution, c'est les traitements. Alors, il y a Didier Raoult, qui enverrait contre tout, contre M. Véran. Il a pu s'inspirer aussi d'autres travaux. En France, c'est le premier qui a choisi. Et ça marche très bien. Et l'artémisia.
Et il y a plein d'autres médicaments, mais il y en a un dont je voulais vous parler parce qu'il est magique. Je vais vous dire, c'est l'ivermectine. C'est le docteur Modrus qui le dit pour plein de raisons. Première raison, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il est utilisable à grande échelle et sans danger. Deuxième raison, le profil axé marche quasiment à 100%. C'est-à-dire que des personnes âgées contre une obligation pour les soignants, ça pourrait être quelque chose de magique et sans danger. Troisième raison, il divise par 5 la mortalité du Covid selon toutes les études. Donc là, on passe d'une maladie à 0,1% de risque, la grippe. Quatrième raison, encore plus importante, selon les médecins français qui l'ont utilisé pour leurs malades, ils en parlent dans plein de vidéos, ça permet de guérir en 48 heures. Ouais, c'est le speed. Et ça, c'est fondamental, parce que 48 heures, ça veut dire que les gens ne sont contagieux que 48 heures. Donc à partir de ce moment-là, ils ne vont pas faire de contagion à d'autres, ils ne vont pas transmettre le virus, mais en 6 semaines. Avec l'ivermectine, M. Véran, je vous le dis, appliquez-le, il n'y a plus d'épidémie en France. Son avis le 31 mars. Elle a été forcée par des Français courageux qui l'ont attaqué devant le Conseil d'État. La NSM, nous vous regardons. Nous regarderons vos décisions. Mais si vous privez les Français d'un médicament qui soigne, vous serez devant la justice. Voilà, parce que Macron, je vous le dis, et Véran mettent en place un système autoritaire et malveillant parce qu'ils n'arrivent plus à tenir les Gaulois refractaires que vous êtes. Monsieur Véran, nous battrons, nous nous vaincrons et nous rebâtirons une France fraternelle, une France prospère, heureuse et surtout une France libre et souveraine. C'est un mot fort, mais c'est malheureusement la réalité pour des millions de Françaises et des millions de Français. Et en particulier, on a déjà eu l'occasion d'en faire état lors de cette manifestation, des étudiants et plus généralement des jeunes. La situation que le gouvernement leur fait vivre est une honte. Nous accueillons une fois de plus un étudiant qui vient s'exprimer et décrire ce qu'il vit et la situation des étudiants et des jeunes en général. Je vous prie d'applaudir Hector. Ouais, c'est mieux là. J'ai pas beaucoup de mort, du coup j'ai noté le son. Pas de soucis. Chers amis de la France, je vous adresse mon salut. Moi, Hector, actuellement étudiant, je souhaitais d'abord apporter mon total soutien à vous, patriotes. De la vie et silencieuse et du ras-le-bol total que vivent les jeunes Français. En effet, je suis entré dans la vie d'étudiant l'année dernière. J'avais plutôt passé de bons moments et au cours de l'année, j'ai appris malgré moi que mon université fermait ses portes pour une durée indéfinie. Quel était mon étonnement lorsque j'ai su que notre pays ne suivait pas de mesures aussi drastiques. Je vous passais alors les problèmes de réussite en découlent.
problèmes de connexion, mise en place de cours par internet, la solitude aussi. Ensuite, la vie a repris, ce fut court, mais c'était quand même un peu chouette. Hein. Mes cours ont repris en présentiel en septembre, puis au mois d'octobre, le cauchemar a repris. Me voilà dans ma chambre, qui est mon amphi, ma cuisine, mon lit, à suivre les cours 8 heures par jour, alors que les lycéens poursuivent leurs cours au lycée. Voilà, c'est un peu très... C'est insupportable. Je ne peux plus voir personne, et cela va sentir, mais je fais partie de ces étudiants qui sont un peu en décrochage, malheureusement. Bien sûr, je n'ai pas connu la guerre, ma jeunesse peut paraître idéale pour certains, mais je leur réponds que je fais partie d'une génération sacrifiée à la folie virale du Covid-19. Avec des amis le soir après les cours, d'inviter une jeune fille au restaurant ou au cinéma. Oh, mais la politique, c'est pas ça, mon ami. Les jeunes de 14, c'était des vrais sacrifiés. Je suis impatient. Je n'espère pas Notre-Dame sans m'assurer. Je vais simplement voir mes amis et on ne fait culpabiliser. C'est de votre faute si on est encore là. Il nous fait peur. Si je vais voir ma grand-mère, je me rends malade, j'ai peur. Et peur de transmettre ce virus. Nous sommes passés en mode survie. On ne vit plus. On ne sort plus. Du tout moi, on se cache de ne pas se faire prendre par la police. J'ai l'impression d'avoir 4 ans et les parents qui me menace de me priver de dîner parce que j'ai fait des bêtises. Mais quelle bêtise ! Le simple fait de vouloir vivre, ai-je le droit de protester sans que l'on me sorte à sa confesse de compostiste ? Sans que l'on dise que je pense que m'amuser ? Bravo ! J'ai 20 ans et je n'ai pas envie que ma vie ou ma jeunesse soit cachée par des mesures que je trouve totalement injustes et stupides. Parlons du couvre-feu, les cours terminent à 18h. À quel moment puis-je faire des courses ? Eh bien, j'aurais été mes cours plus tôt. Et avec le port du masque obligatoire, ce projet de confinement le week-end, j'ai l'impression de vivre dans une Russie communiste. À bas les masques. Cette Russie communiste est tombée un jour parce que les gens se battent les bras. Soyons ces résistants face à cette folie. Emmanuel Macron, Jean Castex, vous cachez ma jeunesse. Un jour, vous paierez. Voilà mes belles paroles, mes colères, les jeunes de France à se lever contre ces mesures que nous avons grotesques et qu'on pourra en faire un sketch. La France connaîtra et connaîtra son excellence d'ensemble. Vive la jeunesse et vive la France. Dans toute la France à se lever. 18 semaines pour une seule chose, pour montrer ce pourquoi on se lève. Vous l'avez dit, c'est la résistance. Nous avons avec nous l'un des dignes représentants des combattants de la liberté en France. Il vient de Champagne-Ardenne et a déjà organisé du haut de ses 18 ans des manifestations anti-coronapolis à Reims, vous pouvez l'applaudir. Il s'agit de Corentin. Alors bonjour à tous. Salut. Comme Eric vient de le dire, je viens de Reims. Vous savez, en tant que référent, je milite énormément à Reims, j'ai distribué des tracts, j'en distribue énormément. Et il m'arrive, malheureusement, d'être choqué par des propos indignes. Je vais vous en citer quelques-uns. Lorsque je distribue un tract, une femme me dit... Tout ça ? Une femme me dit... La France est le pays le plus libre. Contentez-vous de vos libertés. Où est la liberté alors qu'on nous prive de sortie? On nous prive de sortie. On est obligé de sortir avec un bout de papier. On sort avec un bout de papier pour faire nos courses. On n'aime pas le papier. En mars et en novembre 2020, Nous sommes sortis avec des papiers. Nous sommes sortis avec des papiers pour être autorisés à acheter 2-3 courses. Effectivement, c'est de la connerie. Wow!
ont été autorisés à acheter, bien sûr, des produits essentiels. Mais qui les définit? On nous a obligés d'acheter des produits qui n'étaient pas essentiels selon nous, les masques, mais essentiels selon les autorités. On nous a obligés à acheter n'importe quoi, juste, si on voulait se faire un petit plaisir, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit parce que ça favorisait pas les multinationales. Ouais, on veut du champagne. Vas-y, dépêche-toi, on veut du champagne. Maintenant, on est obligé de sortir avec un bout de papier à 18h. On sort avec un bout de papier pour prendre l'air. Ça, en même temps, on n'a pas vraiment le droit. Promener son chien aussi. Alors, promener son chien. On est obligé de le justifier alors qu'on a un chien avec nous. Voilà. Les chiens. Je vais vous citer la deuxième. La deuxième me dit les mesures prises nous sauvent la vie. Nous sauvent la vie. Vous êtes sûr de ça? La précarité, la dépression, le stress et le suicide sont en hausse chez les étudiants, chez les restaurateurs et chez d'autres professionnels. Ils sont tous en train de crever. Ces mesures nous tuent à petit feu. Malgré ça, on nous dit qu'elles sauvent la vie de... Mais elles sauvent la vie de qui? N'importe quelle personne. Du gouvernement. On se tous après 18h, les étudiants. Les mesures qui ont été prises, nous sommes obligés à laisser mourir dans les EHPAD des personnes âgées. On était obligés d'enterrer nos proches en petit comité. Donc il fallait pas être populaire. S'il vous plaît, c'est un exercice difficile à essayer, s'il vous plaît, de respecter le discours. Je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Un petit peu de respect pour les gens. Merci beaucoup. Applaudissez Corentin. Désormais, on nous parle de restrictions, on nous parle de confinement, tout ça, sans même nous parler de traitement, de prévention. Alors que pour se débarrasser d'un virus, je ne suis pas sûr qu'il faut boucler les gens chez soi. On boucle les gens chez soi pour se débarrasser de la démocratie. Oui, oui. Désormais, le passeport sanitaire est dans toutes les bouches, même celle du président de la République. D'ailleurs, il préfère l'appeler le passe sanitaire. Alors, est-ce que ça fait mon père? J'en suis pas sûr. Ok, j'en suis le bot. Alors, désormais, pour aller au restaurant, il sera beaucoup plus difficile d'y aller que passer les frontières. Vous savez, comme on vous l'a dit, je viens de Reims. À Reims, il y a une place, la place Drouet-Gerlon. Alors, sur cette place, il y a, je dirais, une quinzaine de restaurants au minimum, tous fermés. Au premier abord, on dirait que la place est vivante parce qu'il y a énormément de passages. Mais c'est seulement les clients d'Aftac. Le reste, c'est fermé, tout est mort. Donc maintenant, je m'adresse à Olivier Véran. Olivier Véran, descendez de votre tour d'ivoire et venez voir comment les restaurateurs souffrent, comment les étudiants sont arrivés à un point où ils n'ont qu'une chose en vie, qu'une chose en tête, c'est de foutre en l'air. La souffrance dans les yeux des enfants car le protocole sanitaire il est invivable. Prends ton temps. On a privé toute une partie de la population d'exercer leur droit au travail. Maintenant, ils sont tous en train de crever à petit feu. On a privé tout un peuple de liberté, de démocratie, de culture, de vie. Au nom de quoi se permet-il de nous affliger cela? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va gagner, on va gagner, on va gagner.
L'église Macron se permet de mettre en stand-by la démocratie. Il suffit de voir comment se sont déroulées les municipales. Je vais terminer par citer un grand homme. Charles de Gaulle, 18 juin 40, a dit « La fin de la résistance française ne s'éteindra pas et ne doit pas. Ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ouais. » Ce qui est vrai, la fin de la résistance française est éternelle. Ce que Charles de Gaulle n'a pas dit, c'est que la résistance prendra de multiples formes au fil des histoires. En 40, elle prit la forme d'une armée de Français prêts à repousser l'envahisseur. En octobre 2020, elle prit la forme de centaines de manifestants prêts à repousser le gouvernement qui est entré en guerre face à la démocratie. Merci à tous. En tant qu'organisateur, nous vous invitons à respecter les règles sanitaires et le port du masque, ainsi pour information, les gels hydroalcooliques, ainsi que des mouchoirs et des masques à disposition gratuitement au stand qui est juste derrière moi. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Est-ce que vous êtes réfractaires? Nous avons énormément de médecins, de personnels soignants, de pharmaciens qui nous rejoignent, et dans cette situation difficile pour eux et pour nous tous, on peut s'en féliciter et on peut les féliciter. Nous avons avec nous quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer en toute connaissance de cause. Il s'agit d'un médecin, le docteur Stock. Je vous prie de lui faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour les patriotes. Merci Dominique d'Aix-Provence. Félicitations président Philippot d'avoir été un des rares hommes politiques à reconnaître la supercherie médicale. On nous a empêché de soigner les gens en mars. C'était vraiment incompréhensible. Les publications, la première publication chinoise, reprise par Raoult, montrait que l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine permettait de réduire la charge virale, comme l'a dit un précédent orateur. Eh bien nous ne pouvions pas la prescrire. Ou alors avec des suspicions des pharmaciens qui avaient reçu des ordres pour ne pas la délivrer. Donc s'il s'agit vraiment, et j'ai vu une pancarte tout à l'heure, c'est un vrai crime contre l'humanité. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a quand même de bonnes nouvelles. Je les avais inscrites, c'est que l'épidémie régresse. L'épidémie régresse, et en dépit de cela, les mesures de contrainte presque partout augmentent. Pourquoi? Je vous le demande. Vous avez un doute? Ce n'est pas que les labos. Les labos sont un peu, les rémoras sont un peu les rapaces qui essayent de tirer quelque argent du désarroi des gouvernements. Un désarroi qui est fin. Ce désarroi, en fait, je ne vais pas détailler ça car je suis là pour parler de la médecine. C'est un désarroi fin. Sachez-le. La mortalité, en fait, est en train de diminuer partout et les pays qui ont le plus souffert, les citoyens des pays qui ont le plus souffert, sont des citoyens des États-Unis, de l'Europe occidentale. Bizarrement, tous les pays où
les traitements ont été soit interdits, soit déconseillés. Moi-même, en ce moment, en vous parlant de l'hydroxychloroquine, je peux être gardien du Conseil de l'Ordre. Conseil de l'Ordre collabo. Assez bizarrement, les pays les plus riches, qui avaient les hôpitaux les plus performants, et, soi-disant, ont payé le plus lourd tribut au virus. Il suffisait de traiter, comme on traite, même sans parler d'hydroxychloroquine, que même Raoul n'ose plus prononcer quand il fait ses cours de l'IHU. Eh bien, le simple traitement des bronchites par l'azithromycine, quand une personne âgée commence à tousser, à cracher jaune, pardonnez-moi, ouais, Raoul, Marseillais. Eh bien, c'est le traitement qui aurait évité des milliers de morts. Marseillais, tu le dis là. En Asie, au contraire, donc bizarrement chez nous, une épidémie très mortelle. En Asie, que ce soit au Japon, en Corée, à Taïwan, vous savez combien il y a de morts en Taïwan en 2020 10 morts, 24 millions d'habitants. Traitement par l'ivermectine. Les asiatiques sont très friands de poissons crus qui donnent des parasitoses. Et ils ont donc l'habitude de ce traitement et ils l'ont prescrit pour le coronavirus. Et ça donne d'excellents résultats. Actuellement, l'ivermectine a été refusée en autorisation temporaire d'utilisation dans certains hôpitaux. Voyez pourquoi, M. Véran, je vous le demande. Pourquoi refusez-vous les efficaces? Ça ne rapporte pas assez. Laissez les médecins prescrire. Ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas. Merci, merci. De rien, à part les lobbies. Alors, je ne vais pas vous parler du vaccin, ça a été très bien développé, mais je vous dis personnellement, je ne me vaccinerai pas. Je suis malheureusement dans la place d'un prioritaire. Et si quelqu'un veut prendre ma place, je lui donne. Alors, pour l'hivermectine, une anecdote. En Seine-et-Marne, il y a eu au mois de mars 2020 un EHPAD qui était atteint d'épidémie de gale. Extrêmement contagieux. Tous les pensionnaires, tous les soignants, tous les administratifs de l'EHPAD ont été mis sous ivermectine. Résultat, dans cet EHPAD, 8 cas de Covid, 0 mort. Le médecin référent de l'EHPAD a fait remonter l'information à l'ARS qui a menacé de le dénoncer au Conseil de l'Ordre. ARS pour l'amour ! Le virus sévérant ! Le virus sévérant ! Voilà, en fait, il s'agit, comme le dit Raoul, du plus grand scandale sanitaire de tous les temps. Je ne vous parlerai pas de Buzyn, mais quelque chose, c'est ça. Un fait qui est passé inaperçu, c'est que l'hydroxychloroquine a été interdite par Buzyn par décret le 13 janvier 2020. Est-ce que vous avez entendu parler du virus chinois le 13 janvier 2020 ? Moi qui suis médecin, j'ai commencé à regarder à la télévision, le 20 janvier on en parlait. Le 13 janvier, pourquoi avoir interdit ça si tôt ? Sachant que les Chinois, fin décembre, avaient publié un papier qui montrait l'efficacité de ce produit. Je vous laisse réfléchir, messieurs et mesdames, chers patriotes. Voilà, je vous laisse ma place. Merci, monsieur. Merci, docteur Stone. On peut encore une fois l'applaudir. Est-ce qu'on n'est pas bien, là ? Non, on veut la teuf ! À la fois paisible et en même temps combatif. Ouais. Unis pour une raison. Cette raison de la liberté. Quelqu'un a dit il manque les merguez. Si quelqu'un veut rentrer pour la première fois. Et la bière, les grosses nattes.
J'en perds beaucoup de temps. Est-ce que vous avez envie de vous battre jusqu'à la victoire et d'être là la semaine prochaine? Oui! Alors c'est très bien, j'ai une chose à vous demander pour la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Le soleil. C'est le soleil. Et également de prendre vos casseroles. Oui! Vos casseroles, s'il vous plaît, faites du bruit. Ils ont des murales sonorisées du côté de chez Véran, du ministère de la Santé, du Castex, du pissenlit dans les oreilles, etc. Mais les casseroles font du bruit à une certaine fréquence qui les réveille quoi qu'il arrive et qui les empêche de nous ignorer. Donc la semaine prochaine, à vos casseroles, tout le monde! Nous sommes là depuis maintenant 18 semaines à lutter, à braver les éléments sous la pluie, sous le froid, sous la neige exactement. Tout ça suite à la mobilisation des patriotes de Paris en particulier, à l'appel d'une personne que nous avons tous envie d'écouter aujourd'hui. Qui sait, petit suspense. Merci. Bonjour à tous. Vous êtes sacrément nombreux. Et même si Véran nous refuse la vitamine D, on en a une bonne dose aujourd'hui grâce à ce soleil. Qui nous met par ailleurs du soleil dans nos cœurs. Que nous menons, lutte de liberté et de résistance. Bravo aux organisateurs de ce rassemblement, le 18e en effet. Bravo Dominique Bourse-Provence, référent de Paris qui organise ces rassemblements et son équipe. Bravo référent d'Île-de-France. Bravo à tous les participants, Eric Richard Mose, toutes les personnes qui ont parlé, Philippe Murer, Hector, Corentin, le docteur Staub. Bravo et merci pour vos lumières. Je me tourne vers l'avenir que nous ne voulons pas, mais ils sont remarquables, nos comédiens masqués, bâchés, hyperconisés, pas sanitarisés, comparisés, déshumanisés, ils incarnent le monde de Macron et de Véran, et ça n'est pas notre monde. De revoir vos visages. Liberté, 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 liberté. Alors de bonnes nouvelles, commençons par les bonnes nouvelles. Ce pouvoir a été démasqué sur plusieurs points ces derniers jours. D'abord, cette affaire que on pourrait se contaminer à l'extérieur. Même LCI l'a dit, il n'y a pas de contamination à l'extérieur. On l'a vu, fête de la musique avec leur sketch qu'ils nous avaient fait l'an dernier. Le sketch qu'ils avaient fait lors de la rave party en Bretagne. Le sketch qu'ils ont fait avec le carnaval en Martinique. Le sketch qu'ils ont fait à chaque rassemblement. La réalité, c'est que ça n'a rien de sanitaire. Ils savent que les manifestations de colère populaire sont évidemment dans la rue. Et ce qu'ils veulent, c'est empêcher les gens d'exprimer leur colère. Résistance, 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 résistance. Le 11e mensonge sur les variants. Ben alors, ils sont où ces méchants variants? Ceux qui devaient faire exploser les courbes. Ils sont où? Là aussi, même LCI
a démasqué cette escroquerie. Le variant était là pour nous faire peur. Souvenez-vous, même au début, on les appelait les mutants. C'était encore plus effrayant. Et en réalité, variant brésilien, sud-africain ou anglais, ils n'ont pas fait exploser les courbes. Nous l'avons vu par exemple en Moselle, où il y a énormément de variants sud-africains et où l'épidémie régresse et où, heureusement, nous avons évité un confinement. Il y a un variant qui, lui, est terrible. Le pire de tous, c'est le variant français et il s'appelle Olivier Véran. Ils continuent sur leurs mensonges. Le dernier, le plus grave, c'est ce qui s'est passé avec le traitement. Les intervenants avant nous en ont parlé excellemment, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je vous signale qu'ils sont empêtrés aujourd'hui dans un nouveau scandale, celui des anticorps monoclonaux. Un traitement qui n'est même qu'en phase 2 d'expérimentation, dont même le monde, pas les patriotes, hein, le monde que le général de Gaulle nommait l'immonde, effectivement. Même le monde dit à l'efficacité discutée. Même Libération dit médicaments controversés. Non, ne le huez pas, pour une fois ils écrivent un truc intelligent. Il faut les remercier au contraire. Mais vous avez bien compris que autant l'ivermectine ça coûte 8 euros la boîte, autant les anticorps monoclonaux c'est 2000 euros la dose. Et là vous avez votre réponse. On a eu le même topo il y a quelques mois avec le Remdesivir. Il faut rendre la liberté de prescrire aux médecins d'urgence. Les Français n'en peuvent plus. Il faut tout rouvrir tout de suite. Mes chers amis, qu'ils arrêtent ce chantage sur les lits à l'hôpital parce qu'ils ne cessent d'enfermer. Cette année 2021 commence, elle aussi, comme depuis 25 ans, par des fermetures de lits dans des services à l'hôpital. Nous étions à Nice l'autre jour. À Nice, ils ferment 200 lits en 4 ans. Ça doit cesser. C'est l'Europe qui veut ça. Mais ils ne peuvent plus confiner en paix. Ah, ils auraient bien aimé nous faire le troisième confinement national. Mais il y a maintenant de la résistance. Nous ne sommes plus en mars 2020. Nous ne sommes même plus en novembre 2020. Aujourd'hui, et je veux que vous y voyez un signe positif, parce qu'il faut avoir de l'espoir au cœur pour se battre. Je vous renvoie ça avec un sondage, mais c'est un sondage et c'est un indicateur. La semaine dernière, 65% des Français refusent un reconfinement. Ouais. En un mois, l'opinion est en train de basculer. Alors, ça n'a pas empêché la dinguerie covidiste de s'étendre un peu plus. Notamment, nous pensons, et nous avons une pensée aujourd'hui, en ce moment même, parce qu'ils sont confinés, pour nos compatriotes du Pas-de-Calais à qui je rendrai visite très bientôt. Sachez que dans le Pas-de-Calais, les villes. Je sais qu'il y a ici des supporters de Lens, je le sais. J'en connais au moins un. Ici, dans le Pas-de-Calais. Non, pas ici. Là-bas, dans le Pas-de-Calais. J'anticipe peut-être. Non, allez, on va être optimiste. Le préfet, tenez-vous bien, accrochez-vous bien. Le préfet du Pas-de-Calais, hier, par arrêté préfectoral, a rendu d'abord le masque obligatoire partout à l'extérieur. Il a même précisé dans son arrêté, y compris dans les zones rurales. C'est pas tout à fait évident et naturel, hein.
Il a annoncé par ailleurs interdiction de consommer de l'alcool dehors. Interdiction d'écouter de la musique dehors. Avoir le visage couvert. Interdiction de l'alcool, interdiction de la musique, ben ça s'appelle l'Arabie Saoudite. Vous y ajoutez les QR codes, la surveillance numérique, les drones et le pass sanitaire, et vous avez la République populaire de Chine. Donc en réalité, en macronistan, autrement appelé de son petit nom Covidistan, eh bien, c'est un mélange. Le macronistan est un mélange de l'Arabie Saoudite et de la République populaire de Chine. Voilà. Mais cette plaisanterie ne va pas durer longtemps. Parce que je connais nos compatriotes de Nice, je connais nos compatriotes de Dunkerque et du Pas-de-Calais, et je sais qu'ils ont la rébellion et la résistance au cœur et attachés à leur âme. Et ils vont se lever. Et ils vont se battre. Et ils vont se rebeller contre cet ordre injuste, cet ordre fou, cet ordre criminel. On n'est pas des moutons. Et ils voient. Ils voient que des Français partout se lèvent. Car en ce moment même, il y a partout en France des rassemblements de patriotes et de résistants. Il y en a au Mans. Il y en a à Bourg-en-Bresse. Il y en a à Aix-en-Provence. Il y en a à Caen. À Cahors. À Lille. À Alençon. À Brive-la-Gaillarde. À Nice. À Clermont-Ferrand. À Avignon. À Nîmes. À Bourg-en-Jallieu. À Toulouse. À Lyon. Et à Paris. Bravo à tous les patriotes qui se bougent dans le désert d'une classe politique lâche et soumise. Bravo également, et je ne les oublie pas, aux lanceurs d'alerte. Courageux, plusieurs ont été cités aujourd'hui, censurés, bannis, empêchés de publier. Nous sommes dans un monde fou où l'État et les grandes entreprises du numérique se conjuguent et conjuguent leurs forces néfastes pour empêcher la vérité d'éclater. Nous rendrons leur liberté intégrale aux Français, à commencer par la liberté d'expression. Parce que c'est notre conjoint. Autre motif d'espérance. Oui, j'ai envie, comme le temps, d'être très optimiste aujourd'hui. Le monde est en train de se rouvrir. Oh, pas partout, je le sais bien. Mais le monde se rouvre. On le voit au Texas, au Mississippi. Deux États qui ont tout ouvert. Et qui arrêtent totalement le masque. Bravo à leur lucidité et à leur courage. Je pense à la Croatie, je pense à la Bosnie, je pense à l'Inde, la Serbie, je pense à la Serbie, je pense à la Russie. Nous, nos amis russes, ont préféré reprendre la vie russe plutôt que le virus. Et je pense aussi à l'Espagne qui timidement y va puisque ses restaurants ont ouvert. Les salles de sport aussi. Je pense à l'Italie qui a déjà ouvert ses restaurants pour déjeuner. Il n'y a plus quasiment que la France. Ferrando macroniste pourra signer les Français à résidence et les empêcher de vivre. Les empêcher de se soigner. Les empêcher d'être ensemble et d'être heureux. Nous n'acceptons pas cet état de fait. Nous n'acceptons pas les apprentis sorciers et les apprentis dictateurs qui veulent régenter nos vies. Nous sommes des hommes, des femmes libres et dignes.
Être extrêmement vigilant sur la suite. Et là, la suite, regardez, c'est ça. Le combat doit commencer à être mené maintenant. Car, et c'est très sérieux, le combat n'est pas simplement sur les restrictions, la liberté et les confinements. Non. C'est beaucoup plus large que ça. Il va falloir déjouer le monde réinitialisé qu'ils nous promettent. Ouais, le grand reset. Ce monde affreux, ce monde inhumain, ce monde profondément infernal, il va falloir le déjouer. Vous savez, je vais vous citer Aldous Huxley, le meilleur des mondes. La dictature parfaite serait une dictature qui a les apparences de la démocratie. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Fin de citation. Je ne veux pas d'homme fou que ce meilleur des mondes, qui est le meilleur des mondes pour eux, parce qu'eux ne subissent pas les restrictions. Ils ont les sésames, ils ont les dérogations, ils ont les attestations. Ce meilleur des mondes est pour nous le pire des mondes. Et nous combattrons de toute notre force, de tout notre cœur. Jusqu'à la mort. Les journalistes de BFM au resto. Ne devancez pas mon discours. Ou alors ils ont eu mes notes avant. Car ils sont beaux, les donneurs de leçons. Il paraît que du côté de chez BFM, on va en rester dans les stands. Mais ouais, on y va même avec les consultants santé. Enfin, moi, j'attends avec impatience la photo de Karine Lacombe dans un resto dans les stands. Et attention, je leur en veux pas. Bravo, restaurant clandestin. J'espère que vous y allez de temps en temps, vous les faire vivre. Par contre, j'en veux à ceux qui font l'action toute la journée aux Français. Car là, effectivement, c'est de l'hypocrisie. Le problème, ça n'est pas de resto clandestin. Le problème, c'est qui y va et ce que disent ces personnes avant d'y aller aux Français, les yeux dans les yeux. Quand on fait la leçon aux gens. Alors on va montrer l'exemple. Voilà. Tous ceux qui adorent le confinement, les couvre-feux, tous ceux qui considèrent que Véran est un dieu sur pattes, tous ceux qui estiment que Macron est un génie, descendu sur terre pour nous éclairer, et tous ceux qui adorent cette vie, qui réclament des reconfinements en permanence, et une brochette de médecins de plateau de télé ou médecins de labo, on devrait dire, qui ne demandent que ça depuis un an, à les écouter, on devrait être en confinement permanent. Mais ces gens-là, moi je les empêche pas de se confiner. Moi je leur dis, mais restez dans votre terrier, mangez des carottes, mais laissez-nous vivre. Le monde après, ce monde réinitialisé qu'ils veulent. Et je dois en dire un mot parce que c'est totalement l'actualité qui vient. C'est le pass sanitaire. Vous avez vu le pass sanitaire qui en réalité était prêt. C'est Elsi, là aussi, qui l'a révélé. Ça faisait 10 ans que l'Union Européenne y travaillait. 10 ans. Voilà pourquoi il faut quitter sur le champ l'Union Européenne, mais pas que l'Union Européenne. Il faut quitter sur le champ toutes les structures supranationales mondialistes. L'OTAN, l'OMS, il faut quitter Schengen,
Et non, il ne faut pas payer notre dette jusqu'au dernier centime. Non, non. Vous savez, quand on vous dit qu'il faut payer la dette jusqu'au dernier centime, alors vous pouvez démasquer que vous avez face à vous un faux ou une fausse patriote. Parce que la dette, c'est une question politique. Et derrière la dette, il y a l'esclavage. Ouais. La dette, c'est un pass sanitaire permanent. Ouais. Liberté. Alors nous luttons contre ce pass sanitaire. Parce qu'ils veulent... On veut la tête de Rothschild. Ils veulent nous faire un tour de passe-passe avec ce pass sanitaire. Monte ton pass, je te passe ta liberté. Non. Ouais. Eh bien, désolé, en France, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, passe à Anne. Leur passe ne passera pas. Leur passe ne passera pas. On va leur faire passer cette envie. Parce que vous le savez, là où les résistants passent, le passe trépasse. Alors, mes chers amis, ici nous sommes pour la 18e fois réunis. Et il y aura une 19e fois et peut-être malheureusement une 20e fois. Pour la 20e. Parce que nous ne lâcherons pas tant que nous n'aurons pas gagné. Ouais, ouais. Et tant que nous n'aurons pas gagné intégralement. Alors oui, on va gagner. 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 Nous allons nous libérer de cette oligarchie, de ce mondialisme et de tous ces variants. Le variant bancaire, le variant européiste, le variant financier, le variant médical, le variant politicien. Nous allons nous débarrasser de ce virus et de ces variants. Et nous allons rendre à la France sa grandeur, ouais, sa beauté, sa liberté et sa dignité. Ouais. Vive la liberté, vive les patriotes, vive la résistance et vive la France. Allons prendre la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les grands semblants élevés, les grands semblants élevés. Entendez-vous dans les campagnes, musique féroce sociale. Et je vous donne rendez-vous, évidemment, samedi prochain, même lieu, même heure, 15h. Ouais. Vous avez le temps de partir, bien sûr, mais je vous préviens.
Je vous préviens, quand vous partirez tout à l'heure, quand vous partirez, vous avez le temps. Mais quand vous partirez tout à l'heure, vous faites très attention. Dans les contrées, il y a des fois des policiers qui sont là. Et si vous ne faites pas gaffe, si vous discutez entre amis, machin, si vous n'avez pas de masque, vous faites allumer. Donc faites gaffe à ça. D'accord, en sortant, n'oubliez pas, en sortant de la place, vous êtes plus protégés entre guillemets. D'accord, faites attention. Ok. Il y a une enquête qui passe pour la sécurité. Si vous pouvez, effectivement, faire un geste, merci à vous. A très bientôt, à la semaine prochaine. La bière, là, viens, là, viens, là.